me souviens. Du jour où tu as eu la gentillesse de me nourrir. Ce n'est pas parce que tu me donnes à manger que je vais t'écouter. Je n'étais pas fâché. Le jour où tu descendais de l'escalier à Jaipur. Je suis désolée, je ne voulais pas venir ici. Est-ce que tu es fâché? Je ne l'étais pas. J'étais juste... Je suis habitué à cacher mes émotions. Et aussi ce jour... Quand tu avais bu beaucoup d'alcool, et que tu disais n'importe quoi. Je parlerai toujours. Je n'étais pas fâché non plus. Mais lorsque tu as voulu jouer avec la poudre de piment... Il ne s'est rien passé. Est-ce que tu as perdu la tête, hein? Tu es devenue complètement folle. Si quelque chose t'arrive, alors... J'étais vraiment en colère. Mais ce matin... Eh bien... Mais ce matin... Quoi que tu aies fait, eh bien, je n'étais pas fâché. Regarde, tu es en train de te fâcher. Non, je ne suis pas fâché. Paro, assieds-toi et écoute-moi. Je sais que... Parfois je suis nerveux. Et des fois j'en fais trop. Mais ce n'est pas envers toi. C'est plutôt contre moi. Je suis... en colère contre moi-même. Donc tu décharges ta colère sur moi, c'est ça? Oui. Peut-être que c'est mal, mais... Peut-être? Non, je veux dire, oui. Je voulais te donner quelque chose. Ferme les yeux. Pourquoi? Je t'ai dit de fermer les yeux. J'en ai pas envie. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore te fâcher? Non, non. Non, c'est que... J'essaye de ne pas me fâcher. En fait, eh bien, c'est... En fait, l'autre jour, je t'ai entendu quand tu parlais avec belle-sœur. Tu étais en train de nous écouter? Chut. En vérité, tu parlais du bon moment, non? Alors, il est temps. Pourquoi maintenant? Parce que... Maintenant... Ce collier rouge... me dérange énormément. Parvati. Je sais que je t'ai vraiment blessée.
les 8 vœux que je dois honorer. J'étais si dur avec toi. Monsieur le gros dur, tu ne tiens même pas ta promesse. Je ne pouvais pas. Je ne veux pas la tenir. Écoute, Parvati. Je ne sais rien du tout sur les 7 vœux nuptiaux. Et je ne veux même pas les connaître. Mais aujourd'hui, je vais te faire une promesse. Toi et moi pour toujours. Je t'aime. Mais ne pleure pas. Arrête. Qu'est-ce que tu vas faire sinon? Tu vas te fâcher? Pas ce soir. Rudra? Mais qu'est-ce que tu as encore à me repousser? Tout va bien. Tout est bien et merveilleux. Non. Non? Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Tu m'as emmenée à Jaipur. Tu m'as fait danser sur plein de musique. Et puis à Mumbai, où j'ai vu la mer pour la première fois. Alors fais quelque chose d'encore plus spécial que tout ça. Arrête de m'embrouiller, Parvati. Dis-moi ce que tu veux. Et arrête de rire. Non, je ne me fâche pas. C'est pas ce que tu crois. Je suis comme ça. C'est normal. Très bien, prends ton temps. Prends tout le temps que tu veux. Et s'il te plaît, dis-le-moi après. Bon, tu vas me le dire ? J'accepte seulement si tu fais tomber de la neige. J'ai déjà vu un film dans mon village. Ça apparaît comme s'il y avait des cotons blancs qui tombent... Hé, attention! Est-ce que je suis magicien? Qui peut faire tomber de la neige? Mm-hmm.
Paro! Paro, stop! Attends! Pourquoi tu souris? Parce qu'aujourd'hui je connais tes sentiments. Et je ressens quoi alors? Toi aussi. Moi aussi. Toi, oh, aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne dis rien? Tu allais dire quelque chose. Ne touche pas. Ma voix. Comment puis-je le dire? Tu es aussi comme moi. Je veux dire, tu m'aimes. Quand tu es proche de moi, ma voix commence à trembler. C'est pourquoi
Tu dois apprendre à te taire. Paro! Paro, attends! Belle-mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais bien. Je remplissais l'eau et la tasse a glissé, c'est tout. Est-ce que je t'ai réveillée? Non, belle-mère. C'est quoi ça? Est-ce une plume? C'est comme du coton, c'est quoi? Je sais pas. C'est sûrement tombé de là-haut. Je vais chercher de l'eau. J'en ai déjà bu. J'étais sur le point de rapporter la carafe quand tout est tombé. Ok, belle-mère, allons dormir alors. Je vais aller me changer et faire comme vous, me coucher. Je vais préparer le lit. Ce n'est pas la peine. Je l'ai déjà fait.